L'entraîneur marseillais André Villa-Boas le défenseur central qu'il souhaitait. L'argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi est à Marseille pour signer son contrat de prêt avec option d'achat, ont annoncé mardi plusieurs médias. Le jeune joueur était au centre d'entraînement de la commanderie pour passer sa visite médicale, selon RMC, une information confirmée par l'équipe et la Provence. Une fois son contrat signé, avec une option d'achat autour de 15 millions d'euros, Balerdi devrait rejoindre son nouveau club en stage en Bavière mardi soir ou mercredi. L'Argentin est la seconde recrue estivale de l'OM, après le Havre Pap Gueye, qui présente le même profil, un fort potentiel de 21 ans que le club pourrait faire progresser et valoriser à la revente dans quelques saisons, conformément à la politique du « trading joueur » que le vice-champion de France entend développer. Dans l'attente de l'arrivée du futur « head of football », voulu par le président Jacques-Henri Hérault, AVB, a pesé de tout son poids pour faire venir ce joueur dans un domaine, la défense centrale, où son effectif a été un peu court la saison dernière. L'OM mise sur un joueur méconnu et très courtisé, même s'il n'a joué que 7 bouts de match sur la saison écoulée avec le Borussia. L'Argentin devrait ne pas être prêt pour le match de mercredi contre le SV Eindstetten, un club de 4e division allemande de la banlieue de Munich. Il pourrait cependant faire ses débuts samedi contre le club slovaque de Dunajská Streda, à Kufstein. Après l'arrivée de Balerdi, dans l'idéal, Villa-Boas cherche encore un attaquant, voire un arrière-gauche.